Et salut à tous, ravi de vous retrouver donc ici en Norvège, sur le tracé de L, au fin fond vraiment des fjords norvégiens, tout en haut, sur la même latitude quasiment que l'Islande. Épreuve qui se déroule donc début juin en Norvège, et une épreuve phare du calendrier de rallycross. Entre parenthèses, la grosse info, c'est que dans 2 semaines, la saison de F1 reprend. Donc j'en parlerai à la fin de la vidéo, mais c'est la grosse info. C'est dans 2 semaines, donc je sais pas la date quand est-ce que ça tombe, la reprise avec le Grand Prix commenté en Hongrie. Et donc, en attendant, du rallycross avec une épreuve très spéciale. Et puis c'est la dernière fois sur RMC Découverte, hein, que c'est en regardant Top Gear, que ça m'a donné envie de refaire un peu de rallycross avec James May, qui était à Leyden Hill en Angleterre et qui participait à une épreuve de rallycross donc, qui se déroulait l'an dernier au volant d'une Volkswagen. Et vous avez vu les groupes, et on va immédiatement regarder ce tracé avec beaucoup de dénivelé et un pourcentage terre asphalte de 63-37, avec donc une première bosse et un grand virage ici. Très difficile à négocier parce qu'en rallycross, il faut les circuits et le tracé est très court, il faut rien lâcher. Et on attaque la partie poussière avec un petit gauche serré et on redescend énormément. On réattaque sur la partie asphalte avec donc des tracés qui peuvent être interchangés à chaque fois. Et un grand droit sur la terre, beaucoup de travers ici, une belle zone de dépassement. Et on va remonter sur la partie haute du tracé, toujours sur la poussière, avec ici un virage qu'on va passer quasiment à fond. Il sera très difficile à gérer. Et celui-ci en troisième pour remonter sur la ligne de départ arrivée, qui constituera donc une bosse. Avec donc, je vous ai concocté le meilleur à chaque fois des manches. Vous savez comment ça fonctionne maintenant avec la première manche, où j'ai du mal à me lancer. Les départs en rallycross sont primordiaux. Hein. Franchement, faut relâcher le frein à main le plus tôt possible. Ce sont des véhicules qui accélèrent plus fort que des Formule 1 au démarrage, hein, avec une zone d'accélération de 0 à 100 en 1 seconde 7. Et donc vous le savez, ce fameux joker qu'il faudra utiliser donc à bon escient. Vous avez 4 tours pour le faire. Et ça sera stratégique, hein, par rapport à vos concurrents. C'est soit éviter tout simplement la bataille, hein, comme je suis en train de le faire maintenant, pour éviter d'être dans le peloton et de perdre un peu trop de temps. Ou alors se dégager rapidement, hein, c'est possible aussi dès le premier tour, pour justement essayer de faire la course tout seul, essayer de grappiller des places. C'est au choix, je décide donc de le prendre dans ce deuxième tour sur cette première manche, ce qui me pousse donc à la quatrième place, puisque tout simplement mes concurrents ne l'ont pas pris. Donc j'ai choisi de prendre une Countryman WRCC, hein, qui ne figurera pas cette année au championnat du monde en 2016, puisque ça sera donc avec Audi. On retrouvera également la 208 de Davy Genet, la DS3 pour Peter Solberg. On retrouvera également donc au-delà des 208 des Ford et des Volkswagen, qui s'apparentent étrangement à celle de Sébastien Ogier par exemple. Alors que là, vous l'avez vu, j'ai freiné sur le vibreur et c'est de suite le tête à queue assuré. Donc c'est vraiment des monstres de puissance, hein, ces voitures. Elles développent quasiment 600 chevaux avec des rapports très courts. Vraiment une discipline exceptionnelle, hein. C'est vrai qu'on parle pas beaucoup. Très spectaculaire, puisque c'est l'une des seules disciplines de la FIA bien qui propose des accrochages, hein, sans être sanctionné. Il y a des possibilités de pousser son adversaire. Et bien, ça fait partie de la course, et c'est pas non plus du Destruction Derby, mais c'est pas plus mal. Alors que je termine cette manche quatrième, beaucoup de petites erreurs, hein, la difficulté qui est au maximum. Donc du coup, bien, j'ai un peu de mal. Il faut se mettre dedans. J'ai eu quelques tours pour me faire à la voiture. Et sur cette deuxième manche, donc, avec les aides aussi, hein, pas mal d'aides désactivées, hein, notamment sur Dirt, hein, qui lui demande un volant. Hein. C'est vraiment un jeu à la manette qui est quasiment impossible. Alors que là, je choisis encore une fois de prendre rapidement mon joker et je vais essayer de remonter sur mes adversaires un par un et récupérer la deuxième place. Il faut rien lâcher, c'est vraiment un sprint, hein, 4 tours. Vous en avez à peu près pour entre 40 et 50 secondes par tour. Ça dépend des tracés mondiaux. Il y aura 12 étapes cette année, avec donc 2 étapes en Allemagne. Hein. C'est vrai que les Allemands sont des grands fans de sport auto.
que ça soit de la Formule 1 ou bien de rallye ou de rallycross, ils viennent en masse. Et c'était donc c'est le Portugal qui ouvrira le 15 avril le championnat du monde 2016, suivi de l'Allemagne avec Hockenheim sur le tracé où se déroule le Grand Prix de Formule 1 d'ailleurs. La Belgique le 13 mai, en suivi de Leyden Hill en Angleterre, très beau tracé. Après le 10 juin, eh bien, ça sera ici à Elle. Après, ça sera donc en Suède. En août, ça sera le Canada, le Grand Prix des Trois-Rivières. Le 2 septembre, chez nous en Bretagne, à l'OEAC. Après, à Barcelone, toujours pareil sur le tracé du Grand Prix de Formule 1. Le 30 septembre, en Lituanie. Le 14 octobre, en Allemagne, pour la deuxième épreuve allemande. Et pour finir, à Rosario, en Argentine. Rosario, qui n'est autre que la ville de naissance d'un certain Lionel Messi. Donc, vous l'avez vu, vraiment un calendrier très large, avec beaucoup de pays, beaucoup de pilotes représentés, beaucoup de nordistes. Mais ça, c'est pas une vraie surprise. Hein. C'est vrai que, mis à part le plus grand champion de rallye est peut-être français, c'est vrai, Sébastien Loeb, mais c'est vrai que les nordistes ont quand même un sacré coup de volant avec les voitures de rallye. Et ça s'avère encore ici vrai, avec vraiment le plateau qui est très large, avec des Suédois, des Norvégiens, des Finlandais, où on retrouve d'ailleurs un certain Peter Solberg qui a été champion du monde de WRC et qui se retrouve ici champion du monde 2015 avec un sacré coup de volant. Alors c'est vrai que ça demande de la pratique, on l'a vu la dernière fois dans Top Gear, et je vous conseille de revoir l'émission parce qu'elle est vraiment géniale, avec vraiment un plateau de pilotes très large, avec notre Français David Gené qui représente la France et qui a terminé 5e l'an dernier en 2015. Et puis on a aussi des pilotes tels que Tanner Faust. Alors là, celui-là, on le connaît notamment pour être présentateur à la BBC, notamment sur Top Gear. Dave Mira également, qui a mon countryman sur cette épreuve ici en Norvège, sur Dirt. Et puis après, on retrouve, je vous l'ai dit, énormément de Suédois, énormément de Norvégiens. On dénombre un seul Allemand. C'est assez impressionnant. Et l'année prochaine, c'est Ken Block qui viendra participer à ce championnat du monde, qui attire énormément de foule. Donc, cette dernière épreuve donc qualificative, on va le voir à la fin. Un peu voir où est-ce que j'en suis. C'est vraiment pas évident de se faire une place. Ça cartonne énormément, surtout avec la difficulté très élevée. C'est vraiment très très difficile. Il y a beaucoup de réglages sur la voiture également, des temps de réparation aussi à prévoir, notamment quand vous tapez. C'est pour ça que la carrosserie restera endommagée quasiment tout le long de la compétition, car la voiture sera réparée vraiment, surtout mécaniquement. Ça sera très important si vous ne voulez pas perdre de temps et pouvoir se qualifier, car on sait il y a donc 4 groupes de 4, ce qui fait qu'à la fin il en faudra 12. Donc sur 16 participants, 4 seront éliminés pour avoir 2 demi-finales de 6 pilotes et finir avec une finale à 6 pilotes. On aura donc, vous l'avez vu, 4 tours donc sur les épreuves qualificatives et ensuite 6 tours pour les épreuves éliminatoires pour la demi-finale et pour la finale. Donc là je suis pas mal, je commence un peu à me refaire la cerise. Il va falloir que je remonte parce que je suis parti avec cette 4e place. J'ai perdu beaucoup de temps dans la première manche et je sais que ça va être très compliqué de grappiller quelques places pour essayer de remonter et d'accéder à la demi-finale. On l'a vu, les pilotes IA qui sont très agressifs. Alors il y a des hauts et des bas. C'est vrai que des fois ils ont tourné quasiment dans la même seconde que moi, avec au centième et au millième. Et puis il y a d'autres fois où ils étaient un tout petit peu plus en retard. Alors que là on le voit sur cette manche 4, c'est moi qui ai pris tout simplement le deuxième temps de tous les participants. Derrière, le vainqueur de cette épreuve, alors qu'on voit les meilleurs moments de ces épreuves qualificatives. Elle est très très belle, cette 208 également. Sont vraiment, c'est toutes des voitures absolument magnifiques, sachant que c'est des 2 litres en plus à chaque fois. Ça fait quand même 300 chevaux par litre, c'est absolument phénoménal. Et je vais terminer donc 6e de cette épreuve qualificative, juste derrière Peter Solberg. Et on voit les 4 éliminés donc. Et notre Français, David Gené, qui lui a terminé 8e. On va regarder pour les demi-finales dans quel groupe nous allons tomber.
tombes dans un groupe quand même bien plus ou moins facile. On est donc, on sera deux Français. C'est surtout le premier groupe hein, qui est assez costaud avec le pilote de la DS3. On note énormément de Ford aussi. Ford Fiesta qui est une valeur sûre. Et c'est parti pour la première demi-finale. Très très belle aussi la Volkswagen hein, qui rappelle celle de Sébastien Ogier en WRC. Alors qu'on a quatre pilotes qui se jettent dans la voie du Joker. Le Joker donc qui est primordial hein, en principe. C'est vrai que dans Dirt c'est ce qui manque. Hein, en principe on a une personne qui est en haut de la tour et qui nous dit quand est-ce, à quel moment vraiment prendre le Joker pour que ça soit vraiment le plus propice et pour vraiment gagner un maximum de temps, notamment par rapport aux adversaires. C'est vraiment stratégique, c'est essentiel. On peut des fois perdre beaucoup de temps derrière un pilote IA et puis se faire surprendre après et perdre énormément de temps après avoir pris le Joker. Alors quand on a 4 tours, c'est un peu plus dur. Là on en a 6, ça laisse un peu plus de choix. Et donc du coup, je décide de rester en piste et de me battre avec le pilote de l'Apollo un maximum de temps pour rester au contact avec lui. Et c'est pas évident, hein, il est affûté le pilote. L'IA vraiment qui est en difficile sur Dirt est vraiment très hard. En rallye, j'en parle même pas, c'est quasiment mission impossible. J'arrive à chaque fois trop loin. Même le podium est inenvisageable, alors qu'en rallycross, quand même, j'arrive un peu mieux à me débrouiller. Et après, c'est vrai que, eh bien, en plus, on fait tour, au plus, ça rentre. Et ce tracé de norvégien qui est particulièrement très difficile. Il y a des endroits, on va appeler ça des secteurs, notamment dans les deux derniers virages où je m'en sors mieux. Mais c'est vrai que, par exemple, sur celui-ci, sur la poussière, j'ai énormément de mal. Je réaccélère un tout petit peu trop tard par rapport au pilote IA, ce qui fait que je perds un peu de temps. Mais je suis bien dans le rythme pour l'instant. Il y a la Countryman qui est quand même un peu plus difficile, alors qu'on voit des pilotes IA. Alors là, je percute complètement le pilote de l'Apollo qui a ralenti quand il a vu que la 208 devant lui était à l'arrêt. Et c'est ça qui est assez incroyable, c'est que les pilotes terminent la course, même avec la voiture complètement explosée. Et on l'a vu ici. Et je me retrouve du coup derrière le pilote français, le pilote Peugeot. Là j'y fais l'intérieur, dans la remontée, on voit la suspension très souple avec la roue avant droite qui se lève. Et je récupère donc la première place. Chose que je n'avais même pas eue dans les qualifications. J'avais à aucun moment pris la tête de la course. Et bien je la reprends et ça sera de bon augure donc pour la finale. Il n'y a absolument aucune raison pour que je sois éliminé. Le troisième est particulièrement loin. Si je fais pas d'erreur, ça devrait le faire. Et on va entamer le dernier tour. Alors que le pilote IA ici est encore complètement à l'arrêt. Moi aussi, ma Mini est particulièrement bien endommagée. Avec notamment le pare-choc avant bien explosé. Et j'arrive à prendre un peu de marge hein, sur le pilote qui me suit. Donc Dirt qui possède 3 épreuves du championnat du monde. Avec par contre tout le plateau, que ça soit pilote ou voiture. Il manque juste l'Audi, donc peut-être qu'il sera rajouté cette année. Mais sinon, tout le plateau pilote et voiture est là. Et il n'y a seulement par contre que 3 épreuves. Alors que la course est terminée avec l'épreuve anglaise, norvégienne et suédoise. Alors qu'on voit les qualifiés. Et ça sera donc Peter Solberg qui partira tout simplement en tête de cette finale. Donc le départ est crucial, je vous l'ai dit. Et je me fais bien embarquer, donc pousser vers l'extérieur. C'est très violent. Alors que Peter Solberg se fait complètement lui aussi percuter par les pilotes qui sont rentrés dans la voie du Joker. Et il est définitivement hors course, le pilote finlandais.
Alors que je récupère eh bien, finalement une deuxième place. Je me suis fait pas mal bousculer au départ. Alors que la Ford Fiesta du pilote devant moi est complètement bousillée. Là, je sors très large. Elle aussi, elle a le pare-choc avant explosé. Comme ma Countryman. Alors ça va être intéressant de voir si je vais arriver à suivre le rythme dans cette finale. Pour essayer d'empocher cette victoire. Donc Dirt, un jeu qui a un peu augmenté, c'est vrai, depuis sa sortie. Car à sa sortie, c'était vrai que le contenu était très léger. Aujourd'hui, c'est un jeu qui a un contenu assez épais, notamment en rallye et en rallycross. C'est vrai que le high climb est un peu léger, avec juste Pikes Peak et trois voitures, notamment la 405 et la 205 T16, avec l'Audi Quattro. Mais après, c'est vrai que le rallye s'est bien étoffé avec l'arrivée, il y a très peu de temps, du rallye de Suède avec la Volkswagen de Sébastien Ogier. Mais avec donc plusieurs épreuves du championnat du monde de WRC. Et c'est vrai qu'on a un jeu quand même sur ce dirt bien plus abouti qu'un WRC 5 par exemple, qui est censé faire que du rallye, qui est censé être la licence officielle. On a un dirt absolument qui atteint quasiment la perfection. Et c'est vrai que c'est, on se pose tout le temps la question pourquoi Codemaster fait un jeu de F1 aussi bâclé et fait un jeu de rallye comme ça absolument phénoménal. Alors tant qu'à faire, pourquoi pas faire un jeu de F1 qui évolue avec le temps aussi, hein, au lieu de proposer un contenu immédiat et quasiment bâclé, parce que F1 est quand même particulièrement très moche et souffre de beaucoup de défauts. Hein. C'est vrai que tout le monde a été globalement très déçu. Donc c'est vrai qu'après, quand F1 qui redémarre donc sur ma machine, hein, on a fait les tests avec Angel, tout fonctionne parfaitement. C'est vrai qu'après avoir joué à Ice Room ou Dirt ou le projet de Cars, c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir vraiment un jeu typé très arcade, loin de ce que les fans espéreraient avoir. Donc il y a de quoi vraiment être déçu. Alors c'est vrai que le prix est quand même assez bas, hein, donc ça va, heureusement d'ailleurs, mais c'est vrai qu'on espère encore peut-être beaucoup cette année, et on espère peut-être trop chaque année, alors que là, j'ai perdu, vous avez vu, beaucoup de temps, et c'est du coup eh bien, le pilote français hein, qui m'est repassé devant. Meilleure course de sa part, tout simplement, il a vraiment pris le joker au bon moment, et a su en profiter avec un rythme de course assez élevé, et eh bien je pensais être dans le bon tempo avec le pilote de la Fiesta devant moi, et puis finalement c'est la 208 qui a fait complètement la différence, alors que je reviens très fort sur elle dans le dernier secteur hein, comme je vous le disais, et j'y refais comme tout à l'heure le coup de l'intérieur et il revient très large et me revoilà donc en tête de cette finale. Donc je le disais, hein, F1 qui reviendra dans 2 semaines donc avec le GP commenté en Hongrie, et puis eh bien, pour le mercredi qui précédera donc le Grand Prix de Hongrie, eh bien, ça sera une surprise, car il y aura la semaine prochaine un vote qui sera lancé donc, sur la chaîne, avec eh bien, sûrement, ça sera à vous de choisir entre WTCC ou alors eh bien, tout simplement du DTM sur Race Room. Race Room qui a pas très bien... Ça n'a pas très bien fonctionné hein, donc le départ, mais donc ça sera en même temps que les saisons d'F1 avec le vendredi, comme d'habitude, quelques petites surprises. Donc moi je vous dis à très vite, hein, dans 2 semaines donc avec eh bien, soit du DTM, soit du WTCC, et puis le dimanche avec le GP commenté. En attendant, très bon dimanche à tous, allez à bientôt.